constaté, opposition et mouvance, les mêmes soucis pour le bien-être socio-économique. Par rapport à ça, le cas de l'aéroport et de certains frontières n'ont pas été mis en œuvre par rapport au président, avec le président de la République. Est-ce qu'il est nécessaire ou non d'ouvrir actuellement l'aéroport et Disons que je ne vais pas aller dans le pouvoir de l'exécutif, parce que cela relève de l'exécutif de prendre les mesures, de réguler en fait les conditions selon lesquelles l'ouverture se fait. Nous n'avons qu'à voter. C'est l'exécutif de décider en fait des différentes règles à prendre, des mesures à prendre selon les informations qu'ils ont, parce qu'ils ont les équipes techniques, les différents ministères, les directions et tout ça. Donc on a fait une annonce sur une manifestation le 8 juillet. Aujourd'hui, quelle est votre action? Est-ce que c'est opportun réellement d'organiser une manifestation? Naturellement, c'est inopportun. Très souvent, le FNDC ne se soucie pas du bien-être de la population guinéenne parce que ce n'est pas dans la rue que les problèmes se résolvent. Partout dans le monde, dans toutes les grandes démocraties, les problèmes du pays se résolvent à l'Assemblée nationale. Les marches de protestation pacifiques, c'est bien, sauf que malheureusement, nous assistons ici à des marches extrêmement violentes. Et vous n'avez qu'à regarder les véhicules des services de l'ordre et de sécurité. Vous voyez que ce sont tous aujourd'hui des voitures qui sont caillassées à tout moment.